Добрый вечер, дорогие гости Русского дома. Рада приветствовать вас в конференц-зале Русского дома науки и культуры в Париже по случаю презентации тематической книги Алекса Климента «Изуродованные лица русских солдат 1914-1918 года». Bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis de la Maison russe des sciences de la culture. Je suis heureuse de vous saluer dans notre salle de conférence de la Maison russe des sciences de la culture, dans le cadre de la présentation du livre thématique d'Alex Clément, Les gueules cassées russes 1914-1918. Специалист, получивший медицинское образование в России и хирургическое во Франции, в течение многих лет работал над диссертацией под руководством профессора Михаила Соловьева, автора концепции синдрома ПСАФ в Санкт-Петербурге, в России. Алекс Климент имеет ученые степени по анатомии, онкологии и микрохирургии. И в 2022 году занимал пост председателя Международной ассоциации челюстно-лицевой хирургии. De formation médicale russe et chirurgicale française, le spécialiste a travaillé durant de nombreuses années sur sa thèse de troisième cycle sous la direction du professeur Mikhail Soloviev, concepteur du syndrome PSAF à Saint-Pétersbourg. Et Alex Clément, il est titulaire de degrés scientifiques universitaires en anatomie, carcinologie et en microchirurgie. Il est président pour l'année 2022 de l'Association internationale de médecine orale et maxillofaciale. В качестве члена международной коллегии по изучению истории медицины и здравоохранения автор книги входит в состав научного комитета Международного конгресса, посвященного 200-летию со дня рождения Жан-Мартена Шарко. Membre du Collège international de recherche en histoire de la médecine et de la santé, l'auteur de cet ouvrage fait partie du comité scientifique du Congrès international 2025 du bicentenaire de la naissance de Jean-Martin Charcot. На примере работы 10 хирургов, в том числе Александра Рауэра, основоположника восстановительной хирургии челюстно-лицевой области в Советском Союзе, автор описывает основные аспекты лечения лицевых ранений на русском фронте в годы Первой мировой войны. По видеосвязи к нам подключится врач-реаниматолог Федор Семенов, правнук известнейшего хирурга Владимира Розанова, оперировавшего Ленина и Сталина, главного врача Кремлевской больницы. Как мы с интересом прочитали, Владимир Розанов был прообразом профессора Преображенского из «Мастера и Маргариты». Они были знакомы с Булгаком с начала 1920-х годов. Писатель побывал у него дома. Булгаков знал, что Розанов делал пересадки эндокринных желез и другие сложные операции. Для нас большая честь общаться сегодня с его правнуком Федором Семеновым. Спасибо вам, что вы с нами сегодня. À travers l'œuvre de 10 chirurgiens, dont Alexandre Rauer, fondateur de la chirurgie reconstructive de la géomaxillofaciale, l'auteur expose l'essentiel de la prise en charge des blessés de la face sur le front russe pendant la Première Guerre mondiale. Par une visioconférence, Fyodor Simeon, l'arrière-petit-fils du chirurgien bien célèbre Vladimir Rozanov, qui a effectué des opérations et interventions compliquées de Lénine et de Staline, et qui était également le médecin le médecin principal, le médecin en chef de l'hôpital du Kremlin. Comme nous avons appris avec beaucoup d'intérêt, Vladimir Rozanov était un prototype du professeur Preobrajensky de l'œuvre de Bulgakov, Un maître et Marguerite. Ils ont fait connaissance avec Bulgakov depuis 1920. L'écrivain a rendu visite à Vladimir Rozanov et l'écrivain a pris connaissance que Rozanov faisait des transplantations des greffes de la glande endocrine et beaucoup d'autres interventions compliquées. Pour nous, c'est un grand honneur d'être aujourd'hui avec l'arrière-petit-fils, son arrière-petit-fils, Fyodor Semyonov. Nous vous remercions d'être avec nous ce soir. Перед презентацией книги Алекс Климент поделится своим опытом обучения в России и во Франции, расскажет молодым людям о стажировке и учебе в России и применении полученных знаний на практике.
Avant la présentation de l'ouvrage, Alex Clément partagera son expérience des études en Russie et en France. Il s'adressera aux plus jeunes qui sont avec nous par visio aujourd'hui pour dire ce qu'ils pensent de ses études et des stages en Russie et comment mettre en pratique les connaissances acquises. С удовольствием передаю слово нашему главному гостю Алексу Клименту. Эта книга будет доступна у нас на сайте и в социальных сетях в онлайн-формате. Et maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à notre invité principal, à Alex Clément, et je tiens à souligner que son ouvrage, que Alex Clément, Monsieur Clément, présente aujourd'hui, est disponible, sera disponible sur notre site et sur nos réseaux sociaux à télécharger gratuitement. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir et merci, vous m'entendez bien? Merci d'être là et merci d'être venu. Et merci à tous ceux qui sont connectés à distance, peu importe l'heure où il est chez eux. Tout d'abord, merci à la Maison russe des sciences et de la culture à Paris pour cette invitation par l'intermédiaire de Madame Assia Ovchinnikova. Et en fait, c'est Madame Marina Ignatieva qui nous a mis en contact. Marina, après quelques années passées ici dans cette maison, maintenant elle est rentrée à Moscou dans les bureaux administratifs. Donc, je me présente tout d'abord. Je suis Alexis Clément, médecin chirurgien. Ma spécialité est la médecine et la chirurgie de la bouche, des mâchoires et de la face. Avant, en France, on disait stomatologie et chirurgie maxillofaciale. Maintenant, depuis 2011, la nomenclature a changé. On dit chirurgie orale et maxillofaciale. Donc, qu'est-ce que je veux vous raconter aujourd'hui? Aujourd'hui, je veux vous parler de soldats qui ont eu du traumatisme de la bouche, des mâchoires, de la face pendant la Première Guerre mondiale sur le front de l'Est, sur le front de la Russie. Pourquoi je me suis intéressé à ce sujet? Parce que, en fait, en 2014, on a commencé à commémorer le début de la Première Guerre mondiale 1914-2014. Et bien, quelques conférences et symposiums à Paris et ailleurs, et puis une seule communication sur la Russie, sur le rôle de la Russie, sur la participation de la Russie dans ce conflit armé. Et si on peut poser la question, est-ce que la Russie a participé de près ou de loin à la Première Guerre mondiale? Et si on prend cet excellent livre écrit sur la Première Guerre mondiale sur le front russe, on va voir dans la préface, page 7, on peut lire ensemble. Récemment, un journaliste couvrant l'événement, un événement sur la Première Guerre mondiale, fut jusqu'à s'insinuer que les Russes n'avaient pris part qu'au deuxième conflit. Donc on peut supposer que c'est vrai, hein, d'autant plus que c'est un journaliste qui le dit. Sauf que la Russie, la guerre sur le front de l'Est s'est déroulée sur, on peut le diviser en cinq sous-fronts au front. Le front de Nord, le front de Nord, je sais pas si on voit, bon, on voit pas sur l'écran, le front de Nord, le front de l'Ouest, le front de Sud-Ouest, le front de Caucase contre l'Empire ottoman, et à partir de 1916, quand la Roumanie est entrée de côté de l'Entente, donc le front de la Roumanie. Après 3 ans et 4 mois de conflit armé, le 15 décembre 1917, l'armistice s'est signé entre la Russie et l'Empire allemand. Sur le front russe, le bilan est lourd, près de 2 millions de morts et de disparus, et près de 4 millions de blessés, dont 5% le sont au visage. Qui a soigné ces gueules cassées? Pour répondre à cette question, je commençais
à chercher sur Internet. Et comme on dit aujourd'hui, tout est en anglais et tout est sur Internet. Bien, je commençais à chercher en anglais sur Internet. Il n'y a rien, ou presque. En français, rien ou presque. En russe, rien ou presque. Donc, je me suis adressé à mon supérieur, directeur de thèse, le professeur Mikhail Solovyov, à Saint-Pétersbourg. Je vous précise avant de continuer que je n'ai pas de conflit d'intérêt avec le présent sujet. Donc, je me suis adressé à mon supérieur, le professeur Solovyov, lui demander conseil. Écoutez, il y a un monsieur qui pourrait vous aider, il s'appelle Gueorguet Tchépik. Appelez-le de ma part, il pourra peut-être vous aider. Monsieur Tchépik est un chirurgien maxillofacial à l'Académie de médecine militaire à Saint-Pétersbourg, m'a très cordialement reçu et m'a offert son livre La stomatologie militaire de l'Empire russe. Dans cet ouvrage, sur les 423 pages, 3,5 pages sont consacrées à la prise en charge des gueules cassées sur le front russe durant la guerre 1914-1918. Donc j'avais de quoi déjà démarrer ma recherche. Première étape, accéder directement aux sources et donc trouver les écrits originaux. Résidant dans le sud de Paris et travaillant dans la région parisienne, il m'était difficile de faire le voyage régulièrement dans les bibliothèques de Russie pour faire la recherche bibliographique. C'est grâce à Lubomir Zlatev, Svetoslav Rudoman et Andrei Andreychev que j'ai obtenu mon matériel de lecture pendant près de 2-3 ans. Pour le premier volume, c'est Elisaveta Ivanova, une thésarde, une jeune chirurgien maxillofacial à Saint-Pétersbourg également, qui m'a fourni le matériel pour le deuxième volume. Pour faire la conclusion, il fallait bien évidemment lire ce matériel, composer ces ouvrages signifiés, se plonger dans les écrits, pour la plupart en russe ancien. L'exercice se révéla aussi ardu qu'intéressant. Pour les termes militaires, je m'adressais tout le temps à l'ancien chef de service de chirurgie maxillofaciale de l'hôpital militaire Béjart, le professeur Armand Régis Paranque. Merci à lui pour toutes ces corrections. Écrire est une chose, bien écrire en est une autre. Donc j'avais demandé à Xavier Amillot, partenaire et parfois adversaire sur le tatami de karaté, journaliste de profession, de relire et corriger cet écrit. Pour le deuxième, ça c'était pour le premier volume. Pour le deuxième volume, c'est Flora Molinier, ici présente dans la salle, qu'elle m'a correctrice, traductrice, maîtrisant 5, 6 langues, à part le français, l'anglais, le russe, espagnol, le chinois, le japonais. Et on est en train de travailler avec elle aussi sur un ouvrage qui va sortir peut-être dans 6 mois, 1 an, sur la linguistique comparée et le rôle des langues dans l'innovation chirurgicale. Avec un ethnolinguiste, Amour Makouaya aussi, également, on est à 3. Donc, ça va sortir. Donc, une fois que vous avez écrit le livre, vous voulez vous éditer, publier. Pendant 2 ans, j'avais une liste de toutes les maisons d'édition qui avaient une rubrique, une section d'histoire de la médecine. Je me suis adressé à toutes et toutes m'ont répondu très gentiment. Félicitations, bravo, c'est original ce que vous faites, mais financièrement parlant, ça ne nous intéressait pas. Donc, il vous reste une solution. Vous avez soit vous abandonnez, soit vous éditez à contre. Pas d'éditeur, mais d'auteur. Donc, Natalia, une connaissance habitant Clamart, m'a mis en relation avec Madame Aïcha Amin de l'édition, de la typographie plutôt, CDP Édition à Malakoff, très gentiment m'a reçu, m'a conseillé et elle m'a aidé à méditer un compte d'auteur. Avec l'accord de son chef, de M. Denis Cuisy, m'a fait un prix
pour un bon papier. Donc, merci à Mme Aïcha Amin et à Monsieur Denis Cuisi, après 2 ans de non-résultat. Et là, je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure, qu'on dit que tout est en anglais et tout est écrit. Là, je crois que j'avais, à travers ce que j'avais écrit jusqu'à maintenant, j'avais prouvé que pas tout est en anglais et pas tout est sur Internet. Donc, je m'adresse là aux jeunes. Il n'y en a pas beaucoup dans la salle, mais il y en a un certain nombre qui sont connectés à distance, à ces jeunes de 16, 17, 18 ou plus âgés, plus grands de 24, 25 qui étudient le russe. Aujourd'hui, la maison russe vous propose de réaliser des études, dans des établissements supérieurs en Russie, des stages aussi. Saisissez l'opportunité. Donc, je reviens à un autre sujet. J'avais écrit 2 ouvrages. Ça, c'est le premier volume et le deuxième volume. Dans chaque volume, j'avais écrit sur 10 chirurgiens. Je ne veux pas vous présenter aujourd'hui 10 chirurgiens parce qu'à un moment donné, il faut laisser la salle. Donc, je vais vous parler de 2 chirurgiens. Le premier chirurgien, c'est Guillary Vilga. Il est né en 1864, termine l'école en 1867 à Sloutsk. Sloutsk se trouve en Biélorussie. Dans la même année, il fait son entrée à la faculté de médecine de l'Université impériale de Moscou. De ce dernier établissement, il sort diplômé en 1893. En mai de la même année, 1893, Vilga est nommé en qualité de praticien hospitalier de centre de service de chirurgie de son université d'origine. Un an après, il est envoyé en Allemagne pour étudier l'odontologie là-dedans durant 3 ans. Pendant la Première Guerre mondiale, le service sanitaire russe a été mal organisé, en particulier pour l'aide aux blessés de la face. Ces blessés de la face ont été pris en charge entre seulement 2 et 6 mois après le traumatisme, sans aucun traitement primaire. Suite à cela, des déformations de l'appareil mandoculaire, enfin des mâchoires, s'installaient. Pour prendre en charge les blessés maxillofaciaux, le premier hôpital en Empire russe a ouvert ses portes le 1er novembre 1914 à Petrograd. Le 15 février 1915, un service pour les blessés de la face s'ouvre à Moscou dans l'enceinte de l'hôpital central pour les invalides militaires. Il se compose de 50 lits. La responsabilité de service est confiée à Vilga. Le 14 mai de la même année, un autre établissement de 400 lits, cette fois-ci, voit le jour pour les blessés aux mâchoires. Cet hôpital numéro 1381 est créé au mois de juillet 1915. Vilga en devient le directeur. Sous son impulsion, 250 lits sont ajoutés par la suite. Et en 1919, il édite, juste à la fin après la fin de la Première Guerre mondiale et en pleine guerre civile, il a édité son livre « La prise en charge sur le front des blessés maxillofaciaux ». Avec, comme si on ne voit pas très bien sur l'écran, 77 illustrations. Est-ce que tout le monde a prévu de manger ce soir? Parce que je vais vous montrer quelques photos qui sont, ce qu'on m'a dit, qui sont dégoûtantes. Donc, pour les âmes sensibles, vous pouvez essayer de tourner le visage, détourner le regard. Donc, un soldat a reçu un éclat d'obus dans la région mentonnière, la région de Menton, photo au moment de l'admission à l'hôpital, pendant le traitement et à la sortie. Un deuxième soldat blessé le 20 août 1915, à distance de 300-400 pas, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, on ne mesurait pas des pas, est admis à l'hôpital le 25 septembre. La cartouche est entrée
dans la région de sous l'angle de la mandibule, photo au moment de l'entrée également à l'hôpital et à la sortie. Troisième exemple, un autre soldat blessé par des éclats d'une grenade de côté droit. Est-ce qu'il faut expliquer la photo? Des petites fractures de maxillaire, de la mandibule, sont déchirés les tissus osseux de la joue droite, de la région de la mandibule droite, des lèvres supérieures, inférieures, a perdu 6 dents au maxillaire, 9 dents à la mandibule. Quatrième soldat blessé le 8 juillet 1915 est admis à l'hôpital le 21 juillet avec un éclat d'obus. Une grande partie de la mandibule avec le menton a été détruite. Un cinquième soldat blessé par balle le 18 juillet 1916 à distance d'à peu près 300 pas. Admission le septième jour, la cartouche est entrée à gauche. C'est ça? Et est sortie de côté droit. Donc double fracture de la mandibule. Photo au moment de l'entrée de l'admission à l'hôpital, les empreintes des mâchoires fracturées, les empreintes des mâchoires avec un appareil spécial pour repositionner les mâchoires. Le même patient avec cet appareil est à la sortie de l'hôpital. Également dans ce travail, Villiers nous fait remarquer que les dégâts peuvent être plus importants à la sortie de la cartouche. Donc, ce qu'on voit ici sur la première photo, c'est la sortie de la cartouche. Ce n'est pas l'entrée. Donc, les dégâts peuvent être plus importants à la sortie qu'à l'entrée. Un sixième soldat blessé par balle le 5 mars 1916. Le 11 mars est admis à l'hôpital. La balle est entrée à gauche sous l'os zygomatique. Enfin, l'os zygomatique, vous connaissez, c'est ce que l'a fracturé le joueur français de rugby récemment. C'est cet os-là qui se trouve, c'est la pommette en fait. Donc la balle est entrée à gauche sur l'os zygomatique et est sortie avec un diamètre de 4-5 cm à l'angle de la mandibule, à droite. Pareil également photo de patient à l'admission à l'hôpital. Un appareil mis au point par Vilga lui-même pour ce type de fracture. Le patient avec l'appareil est à la sortie. Et pour éliminer le risque d'asphyxie de la langue lors de certains types de fractures de la mandibule, un tel appareil à droite qui a été mis en place par Vilga pour remplacer un autre appareil qui a été mis par un autre chirurgien qui est beaucoup plus encombrant. Et pour traiter de certaines fractures bilatérales du maxillaire, un tel appareil a été inventé par Vilga. Et pour finir avec les illustrations, pour administrer les premiers soins d'un blessé maxillofacial sur le front, il suffira d'avoir les instruments contenus dans ce kit assemblé par Vilga. En 1920, Vilga devient chef de service de chirurgie maxillofaciale à la faculté de médecine de l'Université de Moscou. Étant en désaccord avec la révolution bolchevique, d'octobre 1917, Vilga immigre en Pologne et en août 1922 et devient professeur à l'Institut polonais d'odontologie de Varsovie. Gilary Iwanowicz Vilga meurt en 1942 en Pologne, fusillé par l'occupant nazi. Tout le travail de Vilga pendant la Première Guerre mondiale pour la prise en charge de ses gueules cassées s'est déroulé en étroite collaboration avec Rozanov, avec un certain Vladimir Rozanov. Selon Vilga, Rozanov a été incontournable dans tous les cas difficiles à opérer. Le professeur Vladimir Rozanov a été le consultant en chef. Il a été le consultant en chef des hôpitaux maxillofaciaux de la ville de Moscou pendant la Première Guerre mondiale. Et comme vous l'avez deviné, je veux parler de Vladimir Rozanov. C'est le deuxième chirurgien dont je vais parler.
Vladimir Rozanov, Vladimir Nikolaevitch, est diplômé en 1896 de la faculté de médecine de l'université de Moscou et a travaillé près de 25 ans à l'hôpital Staroïe Katerinskaya, c'est l'actuel Moniki, les Moscovites connaissent cet hôpital, c'est l'hôpital Moniki qui est destiné aux habitants de la région de Moscou aujourd'hui. Il y a dirigé le service de la peste. En tant que médecin militaire, il a participé à la guerre russo-japonaise 1904-1905. Ici, c'est on voit Rozanov dans une voiture de l'époque. C'est pendant la guerre russo-japonaise. Assez jeune, il commence à s'intéresser à la chirurgie et en 1904, il publie dans le journal Chirurgie un article sur l'ablation totale de larynx et la résection de l'œsophage, ce qu'on appelle auto-œsophagoplastie aujourd'hui. Et comme je l'avais déjà mentionné, pendant la Première Guerre mondiale, le professeur Vladimir Rozanov a été nommé consultant en chef des hôpitaux maxillofaciaux de la ville de Moscou. Rozanov considérait que la prise en charge maxillofaciale devait être effectuée par le chirurgien en collaboration avec le dentiste. Ici, on voit Rozanov avec quelques-uns de ses collaborateurs rendant visite aux patients d'un hôpital pendant la Première Guerre mondiale. Également, Rozanov ici pose pour une photo. Il aimait beaucoup les photos, Rozanov. Pendant la Première Guerre mondiale, dans un hôpital quelconque, l'empereur Nicolas II, ici sur la photo, rendant visite à ses troupes et parmi d'autres dans certains services d'hôpitaux. Ici, on le voit avec quelques membres de sa famille. Pose pour une photo avec les médecins rencontrés et les accompagnants sur les marches du deuxième bâtiment chirurgical de l'hôpital Botkine. C'est l'ancien Soldatnikov. C'est comme ça s'appelait à cette époque. C'est le grand hôpital Botkine à Moscou aujourd'hui. Et on peut deviner, Rozanov, il est là. On va passer sur le dernier rang, le quatrième à gauche, Rozanov. Ici, on voit Alexei Chirinkin. Alexei Chirinkin, c'est un pilote de chasse qui a participé à la Première Guerre mondiale en tant que pilote. Et en 1920, il survit à un crash d'avion et est opéré ici. On peut supposer qu'il a été opéré de nez par le professeur Rozanov. Le professeur Rozanov est s'occupé, entre autres, comme aujourd'hui le professeur Yerodanichvili à Saint-Pétersbourg qui s'occupe des pilotes. Vladimir Rozanov, à l'époque aussi, s'occupait des pilotes et les soignait et les opérait. Cette photo m'a envoyé un original par la petite fille de Rozanov, Vladimir Rozanov lui-même, Madame le docteur Irina Sukovnia, membre de l'Union russe des écrivains. Et Madame Sukovnia a un fils qui est médecin. C'est-à-dire, c'est l'arrière-petit-fils de Rozanov, qui est médecin. Aujourd'hui, elle travaille en tant que médecin gériatre à Moscou. Et elle continue, elle publie, elle détient l'archive de Rozanov. Et il publie l'archive de son arrière-grand-père sur Internet, sur ce site Internet. Et je lui laisse la parole pour continuer à présenter son arrière-grand-père. Bon, Fyodor. Да, бонсуар, добрый вечер. Bonsoir. Bon, я буду тебе переводить. Давай. Слушаем. Да, Bonsoir. меня слышно, к сожалению, я не смогу запустить видео презентацию, но вот мою рожу видно, простите, пожалуйста. Я надеюсь, Алекс мне поможет и запустит презентацию, потому что я Хорошо. хочу немного рассказать. Здесь Но будем запускать вдвоем. Бон. сначала одно слово. Mettre la présentation, on va juste l'écouter. Давай. Я не получил еще книгу, которую ты мне отправил почтой, но прочитал ее в электронном виде.
Алекс, это труд, Фёдор, который... делай паузу, пожалуйста, чтобы я смог переводить. Да. Я тебя хвалю. J'ai pas encore reçu ton livre, c'est le deuxième, mais je vais, quand je le recevrai, je le lirai avec attention. И самое главное, это очень вовремя. Сейчас время для таких книг, которые должны описывать историю, культуру и науку, а не то, что нам показывает телевизор сейчас. Et justement, c'est le bon moment aujourd'hui, actuellement, de parler de la culture de cette époque, de l'histoire et de ce qui s'est passé sur le rôle de ces médecins-là, de cette époque-là. Ну что, да, наверное, давай запустим презентацию, попробуем рассказать про Розенера. Вот я сам видно. Есть. Отлично, все. Владимир Николаевич Розанов, врач своего времени. Вот этот портрет, который вы видите у меня сзади, оригинальные фотографии, может быть, кто-то разглядел, он очень милый. Владимир Розанов est un médecin de son temps et c'est ce portrait que je viens de montrer, il est accroché dans mon bureau derrière moi. Дед доктора Розанова, известный русский богослов, ученый церкви, историк церкви. Le grand-père de Rozanov est un historien de l'Église russe, l'Église en Russie. Его отец, известный русский врач своего времени, инфекционист, руководил одним из отделений в старой Екатерининской больнице. Это одна из трех первых московских больниц. Son père est un médecin infectiologue. Il a été chef de service de service de la peste dans un des trois hôpitaux les plus grands hôpitaux à Moscou à cette époque-là. И он был членом первого русского общества врачей. Il a été вы membre de можете la его première видеть société. Справа нет денег. Il a été membre de la première société des médecins en Russie. Самый молодой член этого русского общества. Et il a été le membre le plus jeune de cette société des médecins russes. Учителя Розанова. Это огромная фотография. Мы нашли, кто есть кто. Здесь и Печина, и... Подожди. On a trouvé cette photo. Ce sont les enseignants, le professeur de son arrière-grand-père, ce monsieur professeur Rozanov. Oui, et qui est Tom? Professeur Rozanov, student. À сверху это его учителя Сечина, parmi Нигерев, Сечинов, Склифосовский и много-много других. Их именами названы все улицы в Москве. Il y a beaucoup de gens assez connus. Parmi les gens qui ne connaissent pas les Sechenov, c'est un peu le Pavlov à Saint-Pétersbourg, Sechenov à Moscou, c'est surtout la physiologie du cerveau. Voilà. Да. Дальше молодой Розанов уезжает на первую свою войну. Это была страшная и глупая война, русско-японская. Par la suite, Rozanov il va participer à la guerre russo-japonaise 1914-1905 qui a été une guerre terrible. Там он руководит работой хирургического медицинского отряда. Et là-bas, il
Il est chef d'un bataillon sanitaire dans cette guerre. На фото он сам и его супруга. А та фотография, которую вы видите с пушками, это его фотографии. Это он сам фотографировал, потому что увлекался фотографией. Это был 1904 год. À votre gauche, c'est lui avec son épouse. Et à votre droite, c'est lui-même qui a fait cette photo de ces canons-là parce qu'il aimait beaucoup faire des photos et poser pour les photos. Эту фотографию мы уже видели. Ее нельзя не показывать еще раз. Первая мировая война. La Première Guerre mondiale. Как раз то, о чем говорил Алекс. Одно из многих дел, которые тогда начал и очень хорошо сделал Розанов. Parmi les premières choses qu'il a mis en place, c'est l'organisation de. Это организация протезного дела в России. L'organisation de la fourniture, l'industrialisation et la fourniture des process pour les mutilés. Это не громкие слова, он действительно начал это дело с нуля, и это на грани медицины было и кустарного производства. C'est une photo de laboratoire, et de laboratoire des prothèses où il a été bien impliqué. Потому что любая крупная война – это потерянные конечности, это ампутанты, и это молодые люди, которым нужна реабилитация. Parce que n'importe quelle guerre, c'est des mutilés, ce sont des, comme résultat bien sûr, ce sont des jeunes hommes qui vont avoir besoin des prothèses. Едем дальше. По просьбе Алекса я расскажу про работу Розанова с вождями советскими. Comme je lui avais demandé de parler de Staline et Lénine, donc il va en parler. Он лечил и Ленина, и Сталина, поэтому я вот такую картинку выбрал для красоты. Слева вы видите рентген Ленина. Это рентген Ленина. А, c'est la radiographie de Lénine. Владимир Николаевич Розанов был всегда известен как врач, который оперировал Ленина. Владимир Розанов était toujours connu comme celui qui a opéré Lénine. На самом деле операция была минимальная. Это было амбулаторное вмешательство. А вы это une opération minime, sans beaucoup d'importance. Но для врачей гораздо интереснее информация о том, как он лечил Ленина сразу после ранения. Mais pour les médecins, c'est plus intéressant pour les médecins de le fait qu'il a pris en charge Lénine tout de suite après la tentative d'assassinat, en fait, après d'être blessé par balle. Мало кто знает, что это была огромная травма. Врачи могут увидеть, что на снимке вся левая плевральная полость заполнена чем-то темным, это кровь. Bon, les médecins peuvent voir sur la radio que le bras gauche est ici bien fracturé et est bien rempli de quelque chose de noir, c'est de sang. Современные врачи удивляются, когда читают отчеты об состоянии Ленина в тот момент, как он вообще выжил. Les médecins actuellement les médecins, ils sont surpris même quand ils lisent le compte-rendu de la prise en charge de Lénine, comment Lénine a survécu à cette tentative d'assassinat.
à ce traumatisme. Именно Розанов был автором решения ничего не трогать и проводить противошоковые мероприятия. Не делать никаких вмешательств в тот день, когда случилось вот это страшное ранение легкого, плевры, сосудов, огромной кровопотери и раздробленной плечевой костью. Et Rozanov a décidé, quand il a été appelé pour la prise en charge de Lénine, que ce jour-là, il n'y aura pas d'intervention, ne rien faire, laisser comme ça, malgré le fait qu'ils ont vu, ils ont vu Lénine physiquement, cliniquement on dit, et qu'ils ont vu la radio, mais il a quand même tout de même décidé de ne rien, de ne pas intervenir. Если бы Розанов принял в тот день другое решение и стал оперировать Ленина, мы жили бы в другом мире. Si Розанов aurait opéré Lénine ce jour-là, peut-être les résultats ont été autres et on aurait vécu dans un autre monde aujourd'hui. И справа на экране вы видите картинку, это пуля, которую уже вот извлекли из Ленина через три года. А через сколько? Три года. À droite de l'écran, vous voyez la balle qui a été retirée Это откуда взяли, извлекли пулю? Эта пуля была под кожей в области шеи, под кожей. То есть там вся операция была рассечение и извлечение пули с одним швом. Okay. Cette balle a été retirée de le corps de Lénine de sous la peau de cou, trois ans après la tentative d'assassinat. И снизу, среди подписей врачей, самая большая – это автограф Розанова. Не услышал, извини. Еще раз. Автограф Розанова на этом документе. А, окей. И en bas, on a l'autographe de Розанов. Два слова без иллюстраций про Сталина. Et maintenant, sur Staline. Аппендицит с перенитом. И большая расширенная резекция слепой кишки. Staline avait un appendicit, péritonite et lui a réaliser une grande résection, une résection d'une grande partie de. C'était pas quelque chose. Antibiotiques. De colon sans antibiotiques à l'époque. Местная анестезия. Ah, местная анестезия. Да. Et sous anesthésie locale. Это говорит об хирургическом уровне Розанова. Ça parle justement de niveau chirurgical de Розанов. Даже в наше время операции такой сложности и такого уровня с перитонитом – это всегда огромный риск. Même de nos jours, aujourd'hui, une telle opération avec une péritonite et de telle dimension, même de nos jours, c'est une grande opération. Et вот в этот момент Розанов второй раз держал историю мира, в общем-то, в своих руках. Pour la deuxième fois, Розанов aurait pu dans ses mains l'histoire de notre présent, de futur à l'époque, s'est trouvée dans ses mains. Это не красивые слова, это правда. Еще раз. Это были не красивые слова, это была правда. Да, ça n'était pas de jolis mots, ici, c'est vrai.
Алекс, ты уже сказал про профессора Преображенского. Я могу только подтвердить каждое слово, сказанное тобой. И я вот выбрал две такие фотографии. Конечно, образ Преображенского актера Евстигнеева. И comme elle a Он dit, чем-то похож на образ Розанова. et comme elle a dit dans l'introduction, Madame Jelena Svetlana, que Monsieur Rozanov a été le prototype de, pour ceux qui ont lu Cœur de chien, le prototype de docteur Preobrajensky. Oui, effectivement, on peut dire qu'il a une certaine ressemblance. Ну, я не настаиваю на этой версии. Она просто красивая и приятная. Mais cette version, elle est agréable et jolie, mais c'est tout. Mais j'insiste pas dessus. В России было много хороших врачей, и многие из них могли быть прообразом Преображенского. Et donc, pour le prototype de Preobrajensky, il aurait pu même trouver quelqu'un d'autre. Il y avait beaucoup de bons médecins à l'époque. Но из них мало кто занимался трансплантацией в то время, а Розанов занимался. Et à l'époque, la transplantation des glandes endocrines, il n'y avait pas beaucoup de médecins qui pratiquaient dans ce domaine-là, mais Rozanov, effectivement, il a beaucoup travaillé dans la transplantation des glandes endocrines à cette époque-là. В заключение хочу показать вот эту фотографию. Et pour conclure, je veux bien vous montrer cette photo. Это фотография, которую сделал сам Розанов. Я уже говорил, он увлекался фотографией. Cette photo, comme je vous l'avais dit, Rozanov lui-même, il aimait beaucoup photographier. Donc ça, c'est une photo de lui-même, de Rozanov. Это 1905 год, год 1905. революции. Год революции. И я не мог понять, почему именно это здание он решил сфотографировать. Et je ne sais pas pourquoi, et justement cette maison-là, il a décidé de photographier cette maison-là. C'est la révolution de 1905. Но мне удалось разобрать надпись на здании. Это Московская школа стоматологии. C'est l'école moscovite de stomatologie. Розанов там работал, Розанов a travaillé là-bas. и видимо, ну, это здание было для него близко. А Et tout как à вы fait, видите, ce bâtiment a été très proche pour lui. Как вы видите, окна разбиты, это последствия войны, революции. Et comme vous voyez sur la photo, les fenêtres sont cassées, sont fracassées même. C'est la suite de la révolution 1905. Эту фотографию я подарил Московскому стоматологическому институту. Cette photo, je l'ai donnée en cadeau, je l'ai offert à l'Institut moscovite de stomatologie. Потому что это история, и они любят такие факты. Parce que c'est l'histoire et ils aiment ces faits. Vous видите визитную карточку Владимира Розанова? Vous voyez en bas, vous voyez, ça c'est la photo, la carte visite de Rozanov. Обратите внимание, на ней указан телефон. Телефонный номер. Это номер Розанова, и в то время, в 17-18 году, мало кто мог Ok. похвастаться номером телефона на визитной карточке. Et faites attention qu'en bas, sur la photo à votre gauche, il y a le numéro de téléphone de Rozanov.
à l'époque. Vous видите также мой небольшой сайт. Vous voyez aussi mon Если blog будет ici. интересно, Si ce serait intéressant pour vous. я постарался поделиться тем, что сохранилось о жизни и работе Владимира Николаевича Розенева. Et voilà, je publie toujours si j'ai bien compris, je publie toujours l'archive et les publications de Vladimir Nikolaevich Rozanov. Donc, visitez ce site-là qui est. Alex, merci beaucoup pour ton travail et pour le traduction avec toutes les techniques difficiles qui ont eu lieu. Mais nous avons réussi. Merci beaucoup et pardon pour ce problème technique. Avec lequel je n'ai pas pu faire la présentation comme il faut. Bon, c'est passé, Balchou. Fyodor? Da. Vapros et chance? Vous avez des questions à da, vapros, l'arrière-petit-fils de Rozanov? Avant qu'on coupe la communication avec lui. Vas-y. En français, tu traduis? Comme tu veux. Est-ce qu'il a connu des grands compositeurs russes de l'époque? Qui est Rozanov? Rozanov. Razanov знал лично ли тогда великих композиторов русских? Шостакович, Шостакович, не знаю. Или другие? Думаю, что да, потому что Розанов был театрал. Он знал Шаляпина хорошо. Il a connu, peut-être oui, parce qu'il a très bien, il a bien connu Шаляпин. И очень многие письма, вещи и какие-то артефакты, связанные с театром и, возможно, с музыкой, моя прабабушка передала в музей театра, в Вахрушинский музей в городе Москва. Il y a beaucoup de documentation de lettres que sa grand-mère Fyodor, c'est-à-dire la fille de Rozanov, a donné, a transmis à l'école théâtrale, au théâtre de Moscou, enfin les institutions théâtrales de Moscou. Et там это лежит в архивах, а я этого даже не видел. Даже не видел эти письма, да? Нет. Там много материалов. Il y a beaucoup de matériel, donc lui, il n'a pas connu tout le matériel de Rozanov. Да, просто считали, что такие вещи должны быть в музее, а не дома под диваном. Parce qu'il considère qu'un tel archive doit être, chaque archive doit être distribué où il faut. Tout ce qui est théâtre, théâtre, stomatologie. Ouais. C'est comme ça qu'ils faisaient, ils font toujours. Passivement. Je vais faire un autre question. Et pardon, mon TBA, Svobodny. Здравствуйте. Вы можете, пожалуйста, рассказать разницу в образовании во Франции и в России? Ему вопрос. Медицине? Да. Я думаю, он... Ты можешь сказать одно слово? Слышал вопрос? Да, я слышал вопрос. Слушаем. Я думаю... Сейчас, подожди. Je vais traduire pour les gens qui ne parlent pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas le russe. Bon, quelle est la différence entre dans l'éducation, enfin, la formation en médecine entre la France et la Russie? Я думаю, что, конечно, образование отличается, но в России одинаковые. Что одинаковые? Врачи. Ah, je crois que la formation est différente, mais les médecins se ressemblent, sont pareils. Ça donne le résultat. Потому что они делают одно и то же дело, лечат людей. Parce qu'ils font la même chose, ils soignent les gens.
Вот как-то так. C'est à peu près ça. Moi, ce que je voulais savoir, c'est la question de justement l'éducation, mais c'est par rapport à la manière de faire, l'état d'esprit, la manière de faire, en différence entre les docteurs russes et les docteurs Manière de français. faire. La manière de faire, l'état d'esprit, la manière de faire. Вопрос то же самое по поводу образования медицине в Руси, c'est ça? Quel est какое état d'esprit? Какое état d'esprit et on dit manière обучения? Moi, ouais, je comprends. Как в общем-то делают в России? По поводу образования в медицине, на информацию для медицины. Ты сам? Мои? Ну, все то же самое. Начинается с анатомии, потом патологическая физиология. И так далее, и так далее, и так далее. Это базовое образование. Comme en Russie, comme en France, on commence par la base, l'anatomie, la physiopathologie, et après, etc., etc., et après, le processus se déroule. Voilà, c'est donc la manière de faire, c'est la même. И так много, много лет. Et comme ça, beaucoup, beaucoup d'années. А что получится из доктора, зависит от того, насколько он хочет быть хорошим врачом. Et le médecin va étudier autant qu'il voudra être un bon médecin. Autant d'années qu'il voudra être un bon médecin. У того, кто хочет, сейчас есть все возможности получать любую информацию. Тут вопрос даже не в системе образования, а в желании учиться. Et vraiment, selon lui, c'est pas la manière de faire, mais c'est pas ça qui compte, mais c'est la volonté d'apprendre qui compte en premier lieu. Oui, je voulais savoir si vous saviez pourquoi on avait retiré la balle du corps de Lénine 3 ans après et pas tout de suite après l'accident. Вы знаете, почему они снимали пулю от тела Ленина 3 года спустя, а не сразу после вот акцидента? Это было политическое действие. C'était une affaire politique? Для того, чтобы извлечь эту пулю из-под кожи, то есть сделать маленький разрез, кроме Розунова пригласили из Германии профессора Борхарда. И есть воспоминания, в которых и Розунов, и Борхард смеются над решением для такой простой операции приглашать профессоров. Эту пулю можно было не удалять, она была под кожей 3 года и никому не мешала. Pour cette balle qu'on a retirée de la balle de coup de Lénine, on aurait même pu ne jamais la retirer, mais 3 ans après, on s'est adressé à un professeur Borchard. En fait, c'est à vrai dire, c'est lui qui a fait l'intervention. Rosanoff l'a aidé. C'est juste une affaire de propagande politique. Причем то, что я рассказал, это не открытие, это не откровение, это информация, которую просто мало кто интересовался, но она открытая, ничего тут особенного нет. En plus, c'est une information qui est pas, qui n'est pas très importante, donc en plus, c'est juste un détail. Mortel. Je ne suis pas un docteur, я не врач,
Но это не очень осторожно, пули в руку. Это не опасно в шее, пуля в шее. У него было три пули в теле. Et dans son corps, il avait trois balles de Lénine. Удалили только ту, которая была под кожей. Ils ont enlevé juste la balle qui a, juste la balle qui a été sous la peau. Еще одна или даже две пули, я сейчас точно не помню, они остались внутри. Et même maintenant, une ou, je ne me rappelle pas très exactement, deux balles qui sont restées dans le corps de Lénine. Поэтому, ну, легко было удалить. Это операция, которая не опасная. Почему бы не сделать? C'est une opération qui n'est pas dangereuse sous la peau. После любой войны везде ходит очень много людей с металлом внутри. Après chaque guerre, tu as beaucoup de gens qui se baladent avec des choses dans le corps. Des balles dans le corps, comme on dit. Это жизнь. C'est la vie. Ah, ok, ничего. Можно. Bon, on le libère. C'est bon. Encore des questions à Fedor ou... N'hésitez pas. Parce que dans 10 secondes, on va lui couper la parole. Петр, спасибо большое. У публики пока вопросов больше нет. Спасибо за замечательную презентацию. Если вы не возражаете, мы поделимся ею с нашими зрителями на сайте и посетителями нашего сайта. Конечно, да, я доступен. J'ai demandé l'autorisation de Fedor de mettre la présentation qu'il venait de présenter sur notre site web afin que tout le monde puisse avoir l'accès pour toute personne qui le souhaite. Merci. Merci, Fedor. Et donc, pour conclure, Rozanov, médecin, clinicien, chirurgien généraliste, transplantologue, comme elle a dit Fiodor, chirurgien maxillofacial, entre autres, organisateur de l'industrialisation et de la distribution des prothèses aux mutilés, pédagogue, chercheur et homme politique, est décédé le 16 octobre 1934 à 61 ans. Pour conclure, quelques constats, quelques questions et quelques constats, en fait. Le premier volume des Gueules Cassées de 1914 et 1918, quand je l'avais édité, est-ce qu'il fallait écrire un deuxième volume? C'est la question que je me suis posée. À quoi cela va-t-il servir? Un deuxième volume, je suis en train de travailler sur le troisième, quatrième, cinquième, sixième, qui vont sortir dans un, deux, trois, quatre ans. Ça dépend de beaucoup de mon fils qui dort ici dans la salle. En plus, c'est de travail après le travail. Les gens qui travaillent à l'hôpital public m'en comprennent. En fait, il s'agit de rendre hommage à ces précurseurs et pour leur dire à titre posthume qu'on leur est reconnaissant pour toutes les recherches et le travail qu'ils ont fourni. En fait, sans eux, la chirurgie maxillofaciale n'aurait pas connu de telles avancées et ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. L'histoire s'appuie principalement sur les sources écrites, l'archéologie sur les sources matérielles et l'histoire de l'art sur les représentations, les écrits théoriques et leurs commentaires. L'histoire de la chirurgie maxillofaciale s'appuie sur les sources écrites, les images, les illustrations, les photographies, les moulages, le reste des prothèses dentaires et faciales et grâce au travail des archéologues sur des crânes secs trouvés ici et là. Certains chirurgiens sont d'excellents opérateurs, mais n'écrivent pas. Et même à l'époque, probablement, d'autres excellents chirurgiens n'écrivaient pas, donc on ne peut pas prendre connaissance de leur expérience. Autrement dit, ce que j'apporte dans ces deux ouvrages, en fait, peut ne pas être représentatif de tout le travail des médecins de la figure de la guerre
14-18. Les écrits restent. Grâce aux efforts de quelques bibliothèques en Russie, on peut trouver les archives de l'époque gratuitement et en accès libre sur Internet. C'est une chose qui est très développée en Russie, qu'on n'a pas ça en France. Donc j'ai trouvé la plupart des écrits de Georgien Glochkov et Gossinine, qui sont de Kazan, et d'autres aussi sur le sud-ouest de la bibliothèque médicale de Kazan, au Kazan. Le personnel a mis sur Internet les archives de Kazansky Medicinsky Journal, le journal médical de Kazan, à partir de 1901. C'est une chose que je regrette qu'on n'a pas en France. Où jusqu'à aujourd'hui, les articles, même des archives, sont payants. Vous pouvez compter 35 euros pour un article. Hein. Donc, bon courage. C'est en moyenne. Parfois, ça peut aller au-delà. Malgré le fait qu'il a emprunté des travaux de médecins de l'Occident d'avant la révolution d'octobre 1917, la chirurgie maxillofaciale en Russie s'est développée toute seule et indépendamment de l'Occident. Ces médecins ont dessiné les traits d'une nouvelle spécialité traumatologique qui a été peinte par un pinceau de chirurgie réparatrice pendant la période de l'entre-deux guerres. Dans les années 1950-1960, ce dessin a été animé par la chirurgie reconstructrice. La part esthétique du tableau maxillofacial a pris son envol en Russie dès les années 1990. Pour conclure, et avant de vous dire merci pour votre attention, je voudrais vous rappeler les mots du maréchal. Le maréchal Foch, à l'issue de cette guerre, a déclaré, je cite, « Si la France n'a pas été effacée de la carte de l'Europe, c'est avant tout à la Russie que nous le devons. » Fin de citation. Les deux ouvrages que jusqu'à maintenant j'ai écrits seront, comme l'a dit Mme Asia-Ovchinnikova, un accès libre et gratuit, sur le site internet de la Maison russe des sciences et de la culture. Merci. Et, voilà. Les deux ouvrages que j'avais écrits, malheureusement, ne sont pas en vente. Ils ne le seront pas parce qu'ils sont en compte d'auteur, mais ils sont les consultés sont là et normalement ils sont aussi à la bibliothèque de la Maison russe des sciences de la culture qui se trouve au premier étage. Si vous avez des questions, on a encore 10 minutes pour libérer la salle. Bonjour, les deux livres seront bien sur le net. Vous avez la question à Madame Ovchinnikova. Merci. Avec plaisir. En tout cas, sur les travaux qu'on a vus, sur les photos qu'on a vues du docteur, comment le premier Pervez Vilga. Vilga, oui. Vilga, les résultats sont incroyables pour l'époque. De reconstruire un visage comme ça, transpercé par une balle, construire comme de la chirurgie esthétique, c'est pour l'époque, je trouve que c'est incroyable. Justement, la chirurgie esthétique, ça a commencé à cette époque-là. Et surtout en France, on avait un médecin, on avait pas mal de médecins, on avait surtout en France une chirurgien femme qui s'appelait Suzanne Noël, qui a été une des précurseurs de la chirurgie esthétique à cette époque-là, et qui a justement participé à la Première Guerre mondiale et a soigné les gueules cassées en France, sur le front de l'Ouest. Et encore une fois, moi je n'y connais rien, mais un professeur si connu comme le professeur Rozanov, il n'a pas échangé avec des confrères français du même niveau à son époque? C'était plus difficile, il n'y avait pas l'Internet, mais...
Internet, je ne connais pas l'histoire d'Internet, mais est-ce qu'il n'avait pas échangé si en fait il y avait deux choses pour l'époque. Les médecins de l'époque, les Russes, ils parlaient tous, presque tous, comme j'avais dit que Vilga était envoyé en Allemagne pendant 3 ans pour apprendre l'allemand. Donc pratiquement tous, ils apprenaient l'allemand. Ceux qui se destinaient à une carrière universitaire, ils ont été envoyé pour une mobilité, ce qu'on appelle académique, pendant 1, 2 ou 3 ans sur le compte de l'État. L'État mettait de l'argent pour ça. Donc, ils étaient envoyés en premier lieu dans les pays germanophones, en Autriche aussi, en Suisse. Ils apprenaient tous l'allemand. En deuxième position, ils apprenaient le français. Et en troisième position, ils apprenaient l'anglais. Les gens de l'époque parlaient des langues. On le voit dans leurs références. Langue de la science, l'allemand, langue de la diplomatie, le français, langue du commerce, l'anglais. Ça dépend de quelle époque. À cette époque. Bien sûr, parce que la langue de science de 1000, si tu prends schématiquement parlant, 1800, 1800, 1850, c'est le français, la médecine même. 1850, 1900, c'est l'allemand. Après la suite, on le connaît. Donc, ils apprenaient les langues, ils voyageaient, ils ont été dans pas mal de pays de l'Europe, dans des centres de l'Europe. Tout le temps, on les envoyait pour des stages. Ils ont été beaucoup, les médecins russes, en grande partie à Paris. Ceux qui ont été à Paris, ils ont été chez Pasteur. Donc voilà, et ça s'est rapporté dans des publications écrites. Voilà, et si, il y avait des changes, mais après 1900. Après le 30 décembre 1922, les choses changent. Date de la création de l'Union soviétique. Petit à petit, les choses changent. Pas tout de suite, pas d'un coup, mais on le voit dans les références. Dans les références, jusqu'en 1922, tu as 60% des références qui sont étrangères, qui ne sont pas russes, russophones, dans les écrits des médecins de l'époque. Après 1922, petit à petit, au maximum, tu as 30% des références étrangères, non russes en fait. Et en plus, ça a été mal vu de parler langue ou apprendre la langue étrangère à l'époque. Donc, si, donc avant 1922, il y avait des changes. Si, si. Je suis en train d'apprendre le russe. En fait, il y a 20% des mots qui sont d'origine latine, mais les Russes sont souvent l'équivalent en russe. C'est-à-dire, par exemple, le préfixe, privtavka. Et en fait, c'est souvent comme ça en Russie. C'est-à-dire que les Russes n'aiment pas les mots d'origine étrangère. Enfin, j'ai constaté ça. Je suis allé à Moscou, j'ai eu affaire à une prof d'université qui m'a dit qu'il y avait un mot qui signifiait évacuer en russe. C'est un mot latin. Elle me dit qu'elle n'aimait pas du tout ce mot-là, quoi. Oui, il préfère. On peut les dire que les Russes sont plus latins que les Français. Ah, non, non, c'est le contraire. En fait, c'est au premier concernant la langue latine, justement, c'est une bonne remarque, parce que en médecine, justement, ça rejoint votre question, est-ce qu'il y a une différence dans l'apprentissage? Si, il y a une petite nuance quand même. Si vous prenez la langue latine dont vous parlez, en première année en Russie, en médecine, vous faites la matière qui s'appelle latin. Enfin, c'est latin ou grec, en fait. Vous faites latin. En France, on ne le fait pas. Même dans les conférences aujourd'hui, quand vous parlez avec des collègues, des Russes en russe, parfois il y a des termes qu'on emploie en latin. On le sait que ça existe en russe, mais parce qu'on les a appris en première année en latin. En France, on n'a pas la matière en première année de langue latine, de latin, parce qu'on considère que le français est très proche. Donc jusqu'à aujourd'hui, les confrères russes, quand ils écrivent des articles, ils écrivent en russe, et quand il faut mettre le terme en atomique, ils le mettent en latin. Mais il y a les mots grecs surtout qui sont très prisés en médecine. Il y a beaucoup de mots grecs, enfin même des mots scientifiques, je veux dire biologie, ça vient d'un mot grec. Donc, En général, oui. bah, c'est Hippocrate, c'est Oui, la c'est. médecine, ça a été Oui. de l'époque. Oui, à Ça reste l'origine. aujourd'hui la nomenclature internationale, c'est latine, enfin, latine ou grecque quand même.
Mais à propos de ce que disait monsieur, en fait, le français était la langue, surtout la langue très parlée en Europe au XVIIIe siècle, parce que la France était première puissance en Europe et dans le monde. C'était la première puissance économique et militaire. Donc le français dominait, en fait, à l'époque. Il y avait même les gouvernantes, quand elles avaient un petit garçon qu'elles devaient éduquer, elles leur parlaient en français. Par exemple, Pouchkine, dès son enfance, il a su parler le français dès l'âge de 5 ans. Donc voilà, le français était très pris au 18e, moins maintenant, parce que j'y suis allé, beaucoup de gens parlent l'anglais, hein. Enfin, moins le français. Le français est moins pris maintenant en Russie qu'avant. Enfin, qu'en Union soviétique, puisque vous parliez justement de l'Union soviétique, il fallait parler beaucoup le russe, on appelait beaucoup le français, parce que c'est la langue de la Révolution française, en fait, dans l'esprit des Russes, c'était la langue de la Révolution française. C'est pas de ma faute. Est-ce que vous avez trouvé des techniques ou de résultats dans vos recherches des gueules cassées russes, donc, qui auraient été mieux faites que par rapport aux célèbres travaux français de l'époque, où les résultats étaient à peu près les mêmes, ou carrément ils étaient meilleurs ici, parce que bon, les résultats qu'on peut trouver partout à Paris de l'époque, c'était époustouflant, hein. Non, c'est vrai. C'est que ce soit les Russes, les Français ou les Allemands, parce que aussi ils avaient beaucoup de gueules cassées, les Allemands, hein, énormément, parce qu'ils ont juste travaillé sur deux guerres, sur deux fronts, les Allemands. Et donc, non, plus ou moins les mêmes, parce que justement, il y avait un échange à l'époque, et c'est pas d'un coup, d'un jour au lendemain, on invente une technique, il faut que ça passe par à peu près une dizaine d'années d'approbation sur le tas, avec le recul. Donc non, il y avait des changes avec des techniques bien établies, mais les résultats, et ayant étudié les résultats des Russes, les résultats des Français, les résultats des Anglais aussi qui débarquaient en France, quelques Américains ont été aussi, en France, et les Allemands aussi, j'avais pas mal étudié les auteurs allemands ou germanophones, les résultats sont plus ou moins les mêmes quand même. Mais ça change par la suite. Par la suite, avec la fermeture, enfin, qu'il aurait dû faire, il y avait des techniques qu'on a, par exemple, deux cas de figure. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Elazarov. Mais... Gabriel Elazarov, il faisait l'allongement des os. En 1950, il a fait sa première opération à Kourgan, en Sibérie. C'est une petite ville de rien du tout jusqu'à aujourd'hui. C'est une petite ville, hein, en Sibérie. Il a allongé les os. Jusqu'à lui, on disait qu'on ne peut pas allonger l'os. C'était une loi en chirurgie orthopédique traumatologique. Lui, il a dit, il a fait ses travaux, il a pris toutes les archives des anciens, des Égyptiens, des Indiens. Tout le monde dit non. Il a prouvé qu'on peut allonger l'os, même beaucoup. 1950, avec le rideau de fer, la première opération a été faite en France pour allonger les os, ce qu'on appelle la distraction osseuse, en 1980. 1984. 34 ans après, et jusqu'en 1982, on ne savait pas que ça existe, cette technique. Il y avait des gens qui, avec une jambe, par exemple, 10 cm de moins, je vais trop tomber, 10 cm de moins, il boitait, et ça, il suffisait juste d'aller, enfin, il boitait ou avec une semelle orthopédique qui fait 10 cm, il boitait donc, et on se faisait juste d'aller en Sibérie pour allonger l'os. Et quand on a fait la première opération en France, merci, en 1984, c'était à Strasbourg, lui-même, Elazarov, à cette époque-là, dans son centre, le grand centre de vous pouvez voir ça sur Internet, c'est un énorme centre à Korian, le centre d'Elazarov de distraction. Lui, il, pour un membre, que ce soit pour un bras ou pour une jambe, si ça a été moins de 14 cm de différence entre les deux parties, il pouvait pas occuper un lit chez lui pour moins de 14 cm. C'était une chose de facile. Il a envoyé ça dans la région, ce qu'on appelle Oblast
dans la région, chez les gens qui faisaient des stages chez lui, chez des anciens élèves, c'était un cas de... Il ne prenait même pas en consultation. La secrétaire, 14 cm, on ne prend pas. 20, on prend. C'est vrai, c'est vérifiable sur Internet. J'ai toute la documentation de l'ARS, j'ai beaucoup travaillé sa biographie et je suis en train d'écrire des choses sur lui. Donc, ça, c'est un exemple. Dans notre spécialité, il y avait un... Ça, c'est de la Russie. Donc, les gens ne communiquaient pas et pendant 30 ans, même ça aurait pu durer plus que ça s'il n'y avait pas un alpiniste qui s'appelle Mauro, un Italien qui est parti chez lui, chez les orphes en 82. Dans notre spécialité, il y a quelqu'un qui est un Français de Paris qui s'appelait Paul Tessier, qui est lui qui a, dans les années 50-60, il a commencé à travailler le crâne, la chirurgie crânienne. Il y a des petits enfants qui naissent avec des crânes mal formés, des faces mal formées, malformations congénitales dès la naissance. En 50, lui, il a commencé à travailler ça. C'est un contemporain de Elazarov, d'ailleurs, mais dans une autre spécialité. Lui, il faisait des miracles dans le chirurgie de crâne. Mais toutes ces choses-là n'ont pas été connues en Union soviétique ou dans les pays de l'Est. Donc, délégation est venue de Moscou des années fin des années 70 à Foch, où il travaillait Tessier ici. Ils ont vu ce qu'il faisait et ils ont commencé à faire la même chose. Donc, le rideau de fer, c'est ça que ça fait. Voilà, pour ne pas vous citer des dizaines d'exemples, j'en ai. Donc, voilà, Elazarov et Paul Tessier. Est-ce que c'est bien? Bien, bien sûr que non. Il faut l'échange. Il faut apprendre les langues étrangères. Il faut aller chez l'autre. L'autre ne va pas venir chez toi. C'est à toi d'aller chez l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre les langues étrangères. Tout est en anglais, mais c'est faux. Même jusqu'à aujourd'hui, sur Internet, c'est complètement faux. Jusqu'à maintenant, je vais une deux fois par an à Saint-Pétersbourg travailler dans les archives pour les gueules cassées, pour autre chose. Bien sûr, je vais dans la bibliothèque centrale, dans les archives, et rien n'est sur Internet. C'est valable pour les Allemands aussi, pour les Français aussi. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas sur Internet, pour les Anglais. Donc, pas tout est en anglais et pas tout est sur Internet. Ah ben, de loin, non. Enfin, ça dépend de domaine, bien sûr. De loin, non. Paul Tessier, il s'appelle. Tessier, T-E-S-S-I-E-R. C'est un énorme, c'est le créateur de la chirurgie crânio-faciale, le crâne. Merci. 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 La Maison Russe, c'est notre ancienne collègue, Madame Marina Ignatieva. Maintenant, on vous remercie. Elle a suivi partiellement la conférence. Pour, si jamais vos collègues ou vos amis qui n'ont pas pu venir ce soir, nous aurons une version enregistrée en deux langues, en russe et en français, sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez la partager avec ceux qui souhaitent regarder la conférence. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée.